Au village Baïséa, start-up et grands groupes se réunissent autour de l'innovation et de projets à fort potentiel. Depuis 2 ans, cela fait naître de belles rencontres. Bonjour Muriel, bonjour Zouer. Bonjour. Merci d'être ici présent au village Baïséa, qui nous accueille aujourd'hui pour parler d'Open Innovation et plus particulièrement pour parler de votre collaboration qui dure maintenant depuis 2 ans. Racontez-nous comment s'est passée la rencontre. C'était en juin 2014, on s'est rencontrés sur la place du village, on a échangé sur tes expériences d'entrepreneur et puis ce qui t'avait amené à la création de Data & Data, une solution technologique très innovante qui vise à identifier la contrefaçon sur Internet. Et j'ai trouvé ça très intéressant, on s'est dit qu'on serait sûrement amené à collaborer ensemble sans vraiment savoir comment à l'époque. Et comment le village Baïséa vous a-t-il accompagné dans la construction de ce partenariat ? Le rôle du village, c'était vraiment de favoriser cette rencontre. C'est un lieu où il se passe toujours des choses, il y a de l'animation et on fait des rencontres simplement. Et c'était assez évident le jour où Bearing Point a fait visiter le village à un dirigeant d'un groupe de luxe de nous présenter et que l'on puisse exposer notre solution. Oui, au village, il y a une unité de temps, de lieu, il y a un dynamisme, un état d'esprit qui favorise la rencontre parce qu'on sait que se faire rencontrer les grands groupes et les start-up, c'est loin d'être une évidence. Et en 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé en termes de réalisation de projets ? Déjà, cette première rencontre était extrêmement fructueuse parce que quelques jours plus tard, nous rencontrions le directeur juridique et une semaine plus tard, on démarrait un pilote chez ce même client. Et s'en est suivi d'autres rencontres avec d'autres groupes de luxe où là, Bearing Point a eu un rôle proactif, nous a présenté à ces groupes-là en disant « c'est une solution qui pourrait vous intéresser, c'est en cours ». Et je suis assez confiant sur la suite. Justement, quel est l'avenir de ce partenariat ? L'avenir, on le voit avec beaucoup d'optimisme, notamment parce qu'on va élargir notre offre. Une rencontre organisée par Bearing Point et quelques partenaires japonais nous a montré qu'il était intéressant d'utiliser notre technologie à des fins anti-blanchiment. Donc on a travaillé avec eux et là, on est en train de construire le produit là-dessus. Et nous, nos clients étant à l'affût d'innovation, d'agilité, d'accélération, c'est vrai qu'on va continuer à présenter l'offre de Data & Data. Et plus encore, on se rend compte qu'il y a une certaine complémentarité dans nos offres. D'un côté, une technologie, de l'autre, une valeur conseil chez nous. Et cette complémentarité, elle plaît aussi à nos clients. Donc, on sera sûrement amené à l'avenir à coopérer, faire ensemble des choses chez nos clients. Merci à tous les deux. Merci.